Wesh, les petits loups et les routes. Nous sommes, ou plutôt je suis, toujours tout seul au 36 rue de l'hôtel de Bilarino. C'est moi, Philippe Stocker, le pilote, le rider. Nous sommes le vendredi 16 avril 2021. Et n'oubliez pas que vendredi, c'est le jour d'erreur. Musique. La babo trop forte. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Point, point, docteur Philou. Non, nous ne sommes pas mercredi, le jour du canard, mais vendredi. Et vendredi, je me répète, vendredi, c'est le jour des radars musique. Allez. Ah, ça marche plus. C'est comme moi, on a dit, ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Qui pense? La sociale qui a été rendue, le bébé côté numéro 1. Cacapoum, on y Alors, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est que j'ai retrouvé du travail. Alors, quand je dis à quelqu'un que j'ai retrouvé du travail, on me dit, mais, oh, c'est comme si vous avez dit ça marche pas. Oh, ah. Si, je devrais pas fumer. Elle va fumer. Mais bon, Gainsbourg, il a enterré trois cardiologues. Ah, je suis désolé. Docteur Caroline Berthiaud, je suis sûr. Alors, je vous préviens que j'ai quatre numéros de téléphone portable et un numéro de ligne fixe. Il y a trois numéros de téléphone portable qui risque de disparaître à tout jamais. Le 06 02 34 95 13, le 07 68 28 18 51 et le 07 80 36 35 99. Raison pourquoi ce numéro risque de disparaître, parce que Xavier Niel, le président de Free Telecom, me fait chanter. Particularité de Philippe Stocker, c'est un expert en informatique, en auto-école. On peut pas dire en mécanique auto, mais j'ai quand même sorti ma lourde courbe de ma session. En 98, à l'AFPA de Strasbourg, de rue des Corps de Garde. Tenez à saluer donc tous mes... J'aime pas prononcer ce mot parce que je suis un anarchiste. Comme la députée Isabelle Attard. La députée Isabelle Attard. Qui s'était opposé au ministre Sapin dans l'affaire Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel, qui, contre laquelle la Société Générale avait donc porté plainte pour escroquerie, et peu de temps après, on s'est rendu compte que la Société Générale savait que Jérôme Kerviel boursicotait. Il a perdu 5 milliards d'euros, alors mieux pendant une nuit, mais de perdre, il a essayé de doubler les gains. Et le jeu c'est une addiction, tout comme les écrans, tout comme le sucre, tout comme le tabac. Je rigole du cas. et tout comme le sucre. Mais il est où mon accouchek? J'ai un accouchek et je me pique régulièrement le matin. Ah non, je me fais pas un shoot, je me pique pour calculer mon taux de glycémie à jeun qui est en ce moment très bien.
Et ça ne plaît pas tout le monde. Je soupçonne. Je pense. Parce que si je dis que je suis sûr et très heureux, être diagnostiqué par un douche-mouillac, un truc comme ça, parler. Là, je viens de déclencher la cinquième guerre mondiale, parce que la troisième, ça fait longtemps qu'elle a commencé, la quatrième, on est en plein dedans, c'est le Covid. Et en tant qu'expert, parce que j'ai fait des tests, j'ai eu 1601 comme note, c'était en 2016-2017, à l'Ingelsheim, au CD Alternance de l'Ingelsheim en économie, j'avais 100 sur 100. Mais bien entendu, j'étais aidé par Monsieur Google. Et Monsieur Google. Il est très pratique, Monsieur Google. Il suffit de lui parler, il vous répond. Là, avant, je lui ai dit Merde in France et musique. La babo sur ce, faites attention sur la route. Respectez les limitations de vitesse. Là, c'est un peu de raison que quand on fait les choses trop vite, on fait les conneries. C'est d'ailleurs les dernières paroles que m'a dit ma marraine et tante Marie-Louise Mahou quelques heures avant de décéder au 11 août 1998, elle avait dit « Ne fais pas les choses trop vite, Philippe. » Elle m'appelait pour une fois Philippe, elle m'appelait Filoudet, parce que je suis resté un enfant, et que c'est la raison pour laquelle je ne fais pas. Mais 59 ans, j'ai eu 59 ans. Le 4 avril, je suis né le 4 avril 1962, c'était déjà un jour du canard, point, point, end of fin. Ah, j'adore faire mon chou. Ah, ben, non, attends, je vais me faire entanner. Ah, les psychiatres, ils vont entanner. Ah, attention, hein, méfiez-vous à l'Arzac. Les Russes, ils vont riposter.